Jeudi 6 janvier 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal, en cette nouvelle édition. Dans les actualités de ce jour, triste nouvelle pour cette famille à Mbouba où 4 personnes ont perdu la vie dans la nuit du mercredi à jeudi suite à un éboulement dans la commune d'Mbouba Interouk. Elles étaient 5 dans la maison et un seul a pu s'en échapper. Reportage de Fanjessen Amirei et Sech Anjenapu. Le drame s'est produit vers 21h. Un éboulement qui a entraîné l'écroulement de cette maison qui abritait une famille. Une femme âgée de 62 ans, une mère de famille de 33 ans avec sa fille de 12 ans et son fils de 10 ans ont tous perdu la vie dans cet éboulement. Le frère de la mère de famille est sorti indemne, sain et sauf du drame. 15 minutes après l'appel, les pompiers sont venus sur les lieux, mais ce n'est que 40 minutes après leur arrivée que les corps ont été retrouvés ensevelis dans la boue. Cette partie est classée zone rouge et les responsables de la commune d'Mbouba Interouk ont enlevé les poteaux pouvant entraîner d'autres dégâts. Des discussions entre le BNGRC, au Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, et les pompiers avec la commune ont lieu afin de trouver des zones à risque dans la commune afin d'éviter d'autres drames en cette période de pluie. Dans un tout autre sujet à présent, les 4 présidents des églises chrétiennes de Madagascar regroupés au sein du FFKM sont venus présenter leurs vœux de nouvel an au couple présidentiel aujourd'hui. Cette rencontre a été une occasion pour parler de la lutte contre la COVID-19. Reportage signé Judikel Rangenirin sur les images de Kevin Ravunerson. Une rencontre fraternelle entre les dirigeants du pays et les dirigeants des églises chrétiennes de Madagascar. C'était une rencontre pour présenter les vœux de nouvel an au couple présidentiel. Les présidents regroupés au sein du FFKM ont montré leur soutien dans la prière, des discussions mais aussi les vœux pour une année de concrétisation et de réalisation. Parmi les points qui ont été évoqués durant cette rencontre, la situation sur le coronavirus à Madagascar, dont les cas augmentent actuellement. Une lutte commune où chacun doit prendre ses responsabilités, selon le président de l'église du Terrien Malagas. Selon toujours ce dernier, c'est une occasion pour parler des stratégies à mener pour lutter contre la COVID-19. Les églises respectent les consignes de l'État dans la lutte contre cette maladie, notamment l'utilisation des gels désinfectants, la distanciation sociale ou encore l'utilisation du thermomètre à l'entrée. Même si l'État n'est pas en situation de vigilance sanitaire, l'Église lutte toujours contre cette maladie. Les présidents des églises ont souligné aujourd'hui l'importance de toujours prier pour le pays face à la situation actuelle et surtout dans la lutte contre la COVID-19. Toujours dans cette page politique, le président de la République et le premier ministre avec les membres du gouvernement ont tenu le premier conseil des ministres de cette année 2022 hier. Nous allons suivre à travers ce reportage le résumé de ce conseil des ministres. Gérard Jamar nous en dit plus. Parmi les décisions prises au sein du Conseil des ministres hier, la suppression de l'OTME ou l'Office de transmission militaire de l'État rattaché auprès de la présidence de la République et qui sera muté au sein du ministère de la Défense nationale avec les matériels et tous les employés au sein de cet organisme rattaché. Selon les consignes du président de la République, au mois de décembre dernier, l'État procédera à la suppression des organismes rattachés aux services qui n'apportent pas des résultats concrets sur les institutions et les ministères auxquels ils sont rattachés. La primature a été le premier concerné par cette réforme pour cette année. Le Conseil des ministres a validé la suppression de 3 organismes rattachés à la primature, des organismes dont les autres ministères sont déjà en charge de leur attribution, une raison pour laquelle ces organismes ont été supprimés. Il s'agit du Secrétariat technique permanent pour la coordination de l'aide, ou SCPCA, le Centre de formation pour le développement de Madagascar, ou CFDM, et le Comité interministériel de lutte contre la contrefaçon et le marché illicite des médicaments, ou CILCMIM. Ces décisions ont été prises afin d'améliorer l'utilisation du budget de l'État sur les travaux qui apportent des résultats concrets à la population. Les employés de ces organismes rattachés seront envoyés au sein des ministères en charge des travaux de ces organismes. Pour le ministère de l'Économie et des Finances, l'État a pris en main le paiement des diverses taxes et impôts sur l'importation des matériels de la Jirama. Ces matériels sont utilisés pour augmenter la production d'électricité à un décalé sur le réseau interconnecté d'Antananarivo.
Le président de la République a rappelé que les employés de la Jirama devront travailler avec rapidité et répondre aux besoins de la population. Le Conseil des ministres a aussi validé le rappel des organismes et services rattachés au ministère de l'Économie et des Finances actuellement. Pour le ministère de la Sécurité publique, il a été validé également l'autorisation de prise en charge par l'État malgache des taxes et impôts sur l'importation des armes pour la police nationale dans le but de réaliser le premier vélerin du président de la République qui est la sécurité. Il a été aussi validé en Conseil des ministres la suppression de 3 organismes rattachés au ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et 3 organismes rattachés supprimés aussi pour le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Pour le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, 2 organismes rattachés ont été supprimés. Pour le ministère du Développement numérique, de la Télécommunication, de la Poste, il a été expliqué les attributions de 4 organismes. Le Conseil des ministres hier a validé le report de la rentrée scolaire pour toutes les écoles primaires, secondaires et lycées pour le 17 janvier prochain face à l'augmentation des cas de Covid-19. C'est une lettre émanant de l'État malgache à travers le ministère de la Justice qui est à l'origine de l'arrestation de Raoul Arzak Arabekout par les autorités béninoises, selon les explications du garde des Sceaux malgache, ministre de la Justice, aujourd'hui. C'est un mandat d'arrêt international qui avait déjà été émis depuis son inculpation par le pôle anticorruption que les autorités béninoises ont utilisé pour arrêter ce président de la FMF et ancien directeur général de la CNAPS. Toutes les étapes pour son extradition sont en cours selon le ministre de la Justice, mais pour le moment, il est en détention provisoire. De longues procédures devront encore se faire pour son extradition et son jugement dans le pays. Tous les documents nécessaires à cette demande sont entre les mains des autorités du Bénin. Et dans les actualités de ce jour également, le nouveau transformateur et les équipements qui vont avec sont arrivés à la centrale électrique Indécalée qu'à ce jour. Les équipements qui ont été endommagés par l'incendie peuvent dès lors être remplacés. D'après le directeur général par intérim de la Jirama, les travaux dureront 15 jours. À noter qu'il ne s'agit que d'une première vague, étant donné que d'autres matériels arriveront incessamment afin de remplacer ceux qui sont vétustes dans cette grande centrale électrique de Madagascar, Aniana Martina. Le nouveau transformateur et les équipements qui vont avec en provenance de Touamassan sont arrivés à la gare d'Indécalée ce jour à 6h du matin. Pour cette première vague arrivée ce jour, 17 conteneurs ont transporté les équipements. Les techniciens ont tout de suite effectué le remplacement des équipements qui ont été endommagés par l'incendie. D'après les informations, ces travaux dureront dans les 10 à 15 jours. Pour ce qui est des délestages tournants dans le réseau interconnecté d'Antananarivo, la Jirama a déjà négocié avec les entreprises consommatrices Antananarivo dans l'application de ce qui est appelé effacement, c'est-à-dire la suspension de leur utilisation d'électricité pendant les heures de pointe. Cette mesure réduira également l'insuffisance de production d'électricité, d'après toujours les informations. Dans un tout autre sujet à présent, les 2/3 des agents de police dans la région Analaming sont affectés à la circulation en raison du nombre trop élevé de véhicules qui circulent par rapport aux routes disponibles en ville et dans les périphéries, a expliqué aujourd'hui le ministre de la Sécurité publique lors d'une descente qu'il a effectuée dans la capitale dans le cadre d'une évaluation des différentes méthodes pour venir à bout des embouteillages. Aussi, les nouveaux moyens de transport tels le train urbain et le transport par câble résoudront non seulement les problèmes de bouchons, mais contribueront également à la restauration d'une sécurité, à l'instauration d'une sécurité durable, a ajouté le ministre de la Sécurité publique. Reportage de Fenara Koutouarsoul et Jehren Djamar. Une étude menée par un cabinet privé en 2019 a révélé que 65% de la population à Antananarivo perd plus d'une heure dans les embouteillages. Autrement dit, 3 millions de personnes par jour sont confrontées à ce problème de bouchons dans la capitale. Par ailleurs, d'après les informations, les embouteillages génèrent une perte de plus de 30 milliards d'ariars par an. Des mesures ont déjà été prises par la police chargée de la circulation dans la capitale, qui est sous la direction de la police nationale. Néanmoins, les embouteillages n'ont jamais été solutionnés depuis 15 ans.
Le nombre trop élevé de véhicules circulant sur les routes qui ne sont que de 250 km à Antananarivo en serait la raison. En effet, près de 5000 transports en commun pour la ligne urbaine et près de 7000 pour la ligne suburbaine, près de 7000 taxis et aussi jusqu'à 7000 charrettes et pousse-pousse circulent dans la capitale. Ce qui fait un total de 26 000, les autres véhicules et motos mis à part. Actuellement, afin de résoudre les problèmes de circulation, une collaboration entre le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Poste et de la Télécommunication a vu le jour. Toutefois, le retrait des agents de police qui exercent dans la régulation de la circulation n'est pas encore d'actualité, bien qu'un grand nombre d'entre eux y soient affectés. Quoi qu'il en soit, les trains urbains et transports par câble contribuera à la réduction de l'insécurité. Par ailleurs, la mise en place des moyens de transport modernes ainsi que de la mise en place d'une nouvelle ville en dehors d'Antananarivo, le Tanamasuanju, sont les mesures prises par le gouvernement pour solutionner ces problèmes. Et malgré la décision du Conseil des ministres d'hier sur le report de la rentrée scolaire au sein des universités, les études se poursuivront en ligne pour la plupart des universités privées de Madagascar et d'Antananarivo. Mais cela dépendra totalement de la qualité de la connexion et de l'approvisionnement en électricité d'après ces derniers. Reportage signé Fethi Merkoufen sur les images de Sech Anjenapu. Cette décision prise hier durant le Conseil des ministres était prévisible, d'après le responsable d'une université privée. Mais bien que cette décision ait été prise, afin d'éviter la propagation de la Covid, l'enseignement se poursuivra en ligne dans la plupart des universités privées d'Antananarivo, comme cela a été durant le confinement en 2020. Les enseignants ont déjà reçu les instructions ce jour et devront envoyer les documents et les cours en ligne. Pour certains, à partir de ce jour, si d'autres commenceront à compter de la semaine prochaine. Ces derniers ont pu acquérir des expériences sur l'enseignement en ligne depuis le premier confinement. Mais ce nouveau système dépendra totalement de la qualité de la connexion et sur l'approvisionnement en électricité de la Jirama dans la ville de Tananarivo, deux choses qui laissent à désirer à l'heure actuelle. Ceci engendra également des dépenses supplémentaires aux étudiants. Les universités alertent également les autorités compétentes que les écoles ou universités ne sont pas les seuls endroits où les étudiants pourraient attraper la Covid. Les transports publics sont tout aussi vecteurs de la propagation de la Covid et qui devront donc être contrôlés. Des mesures et des contrôles devront donc être mis en vigueur pour ce secteur. Dans la page sportive de ce jour, la flambée des cas de Covid-19 actuellement dans le pays se fait sentir également dans le monde du sport. Les organisateurs de l'Orange Pro League ont décidé de reporter pour une date ultérieure les matchs entre les clubs Mama FC et JFC Touliar, Azanakal FC, contre LGCO+, qui devait se tenir ce samedi 8 janvier au stade d'un bassin Baza Fenaransu. Les organisateurs de ce championnat de Madagascar dans la discipline football souligne également que tous les matchs organisés dans les régions Analamang, Matsachamboun et Vaknakaraj devront se faire à huis clos étant donné l'état de vigilance sanitaire. Pour les matchs Analamang, le Jet Quintana jouera au stade Al-Arbi et le COSFA le fera au CNAPS Sport Woodworm selon les informations reçues. Passons à présent aux actualités internationales. Les manifestations se poursuivent aujourd'hui à Almaty, la ville principale de Kazakhstan, où l'armée est déployée. Selon des journalistes, des coups de feu ont été entendus. Les autorités rapportent des dizaines de manifestants tués lors de l'assaut de bâtiments administratifs et plus d'un millier de blessés. France 24 nous en dit plus. Plus le président lâche du lest, plus les rues s'embrasent. Au cri de « Dégage, vieil homme », la foule réclame la chute du système Nazarbayev. L'ancien président qui a imposé son prénom pour rebaptiser la capitale Astana en Nour Sultan il y a 3 ans, règne toujours en maître sur le pays. Il a certes quitté son poste de chef de l'État en 2019 après près de 30 ans au pouvoir, mais avait jusqu'à présent notamment gardé la main sur le Conseil de sécurité nationale, le véritable organe décisionnaire du pays. Le président Tokayev, qui lui a succédé, vient d'annoncer qu'une page se tournait et qu'il endosserait désormais ce rôle. Ils ont dit que les Kazakhs ne descendraient pas dans la rue parce que nous étions devenus si bien éduqués et prudents.
Les Kazakhs sont habitués à la patience, mais nous sommes fatigués, on en a marre. Il règne donc comme un parfum de fin de règne au Kazakhstan. Mais le régime n'a pas dit son dernier mot. Pour mater la révolte, le président a fait appel à l'organisation du traité de sécurité collective, une alliance d'anciennes républiques soviétiques menée par la Russie. Il estime faire face à une menace terroriste. Ce n'est même pas une menace. En fait, c'est la perturbation de tout un État. C'est une attaque contre tous les citoyens qui appellent, selon moi, à une protection immédiate. Après avoir soutenu le régime biélorusse à bout de bras lors du mouvement de contestation de 2020, impensable pour Moscou de ne pas voler au secours de l'un de ses plus proches alliés. Cette alliance a donc accepté d'envoyer un nombre indéterminé de forces de maintien de la paix pour une durée limitée. Et en France, les députés ont voté en première lecture à aujourd'hui, à l'aube et au terme de 3 jours de débat houleux, le projet de loi transformant la passe sanitaire en passe vaccinale. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat en début de la semaine prochaine. France 24 toujours. C'est un vote qui aura été pour le moins houleux. Tout commence lundi soir. Les bancs de la majorité sont en partie désertés. Alors l'opposition en profite pour voter la suspension des travaux. Elle juge le texte trop important pour en débattre la nuit. Le lendemain, à la reprise, colère noire du Premier ministre. Que pensent nos concitoyens de ces facéties ? Croyez-vous qu'ils rehaussent le débat public ? Que pensent, mesdames et messieurs les députés, nos soignants engagés, qui eux ne s'arrêtent pas à minuit, comme vous l'avez souhaité, voter ? C'est purement irresponsable. Le soir même, nouvelle tempête à l'Assemblée nationale et nouvelle suspension de séance. Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies. Les députés s'enflamment suite aux propos du président de la République qui dit vouloir emmerder les non-vaccinés, notamment via l'instauration de ce nouveau pass. L'opposition dénonce des mots insultants. Il est garant de la cohésion nationale. Et il a oublié cela, et en faisant cela, il commet non seulement une faute politique, mais une faute morale. Un texte finalement voté, mais qui a pris du retard sur son examen au Sénat. Selon le nouveau calendrier proposé au président de la Chambre haute, le texte devrait être examiné en commission lundi prochain, avant un examen en séance publique les 2 jours suivants. Mais si le Sénat modifie le texte, il devra alors revenir une nouvelle fois devant l'Assemblée nationale. Pour clore cette page internationale, parlons sport. Novak Djokovic, numéro 1 mondial de tennis, est menacé d'expulsion par l'Australie qui lui a refusé l'entrée et a annulé son visa aujourd'hui. Il a intenté un recours en justice et obtenu un sursis jusqu'à lundi. Il venait disputer le premier tournoi du Grand Chelem de la saison sans preuve de vaccination. L'incident provoque un tollé diplomatique entre la Serbie et le pays des antipodes. France 24 toujours. Le joueur qui est arrivé il y a quelques heures à l'aéroport de Melbourne, il a été retenu pendant près de 8 heures par la police aux frontières australiennes, police qui vérifiait les documents apportés par le joueur pour justifier de l'exemption à la vaccination qu'il avait annoncé avoir obtenue la veille, une annonce qui avait suscité un véritable tollé en Australie. Et d'après le Premier ministre Scott Morrison, Novak Djokovic n'a donc pas apporté de preuves suffisantes qui justifiaient qu'il ne soit pas vacciné contre le Covid-19, un critère essentiel pour toutes les personnes participant à l'Open d'Australie pour rentrer dans le pays. Alors pour Novak Djokovic, le dernier espoir maintenant de participer à ce tournoi, il est très mince, il consiste en un appel qu'il devrait formuler contre cette décision prise par les autorités australiennes. En attendant, en tout cas, l'Australie montre ainsi qu'elle ne fait aucun traitement de faveur, pas même aux plus grands joueurs du tennis mondial actuel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre fidélité. Très bonne continuation sur Viva. Très bonne soirée à tous. Au revoir.